Exposition Musée Arthur Rimbaud, poétesse intermédia en France de 1958 à 2023. Commissaire d'exposition, Poésie 19. Débutons cette exposition d'un point de vue historique. Nous commençons avec Suzanne Bernard, avec ses deux livres, livres d'artistes, qui sont effectivement des poèmes visuels, qui datent pour le premier, le titre de ce livre, Poème, de 1959, suivi effectivement du livre d'artistes, Un livre à inventer, de 1962. Nous continuons d'un point de vue historique avec Ilse Garnier, cofondatrice avec son mari Pierre Garnier du spatialisme et du manifeste du spatialiste en 1962, avec effectivement différentes œuvres de différentes époques, que ce soit dactylo-poème, où nous verrons ensuite effectivement poème visuel. Donc Ilse Garnier. Toujours Ilse Garnier, blason du corps féminin, donc lettre à 7, œuvre majeure de l'œuvre de Ilse Garnier. Deux autres dactylopoèmes d'Ilse Garnier, J'ai Anne la bonne Lorraine, et Le blason de la peste. Nous continuons d'un point de vue historique avec Ilse Garnier, avec deux livres d'artistes, Hermenonville et Rythme et silence, qui retracent bien le travail à la fois de dactylo-poème et de lettres à 7 de Ilse Garnier. Toujours Ilse Garnier, un 45 tours édité en 1984 en Italie, mais qui était issu d'enregistrements de 1963, de poèmes sonores de 1963, ce qui était assez novateur à l'époque. C'est au même moment notamment de la publication des revues OU de Henri Chopin. Toujours d'Ilse Garnier, une œuvre un peu plus tardive de 1998, intitulée « Lecture de Leonardo », qui sont effectivement là une sérigraphie d'œuvres originales, un mélange de collages, lettres à 7. Hémophilie et affection constitutionnelle de l'hémastase, maladie coronaire, philatélie et outrageante LSD, hémocytes HS. Toujours Ilse Garnier, plusieurs poèmes lettres à 7. Poème de la flamme, les vagues de la nuit, le point du jour. Poème du vers. D'un point de vue historique, on peut ajouter également les poétesses lettristes, donc notamment Aude Jesmin avec ses sérigraphies publiées en 2016 par Frédéric Acquaviva, mais qui datent effectivement des œuvres des années 60, notamment 1965. Donc trois œuvres sérigraphiées d'Aude Jesmin. Insuffisance médulaire et autres cytopénies chroniques. Méduse insufflée à traite à l'univers cérébral en vecteur. Dents acérées à brasant bien. Artériopathie chronique avec manifestation ischémique. 2. Schématiquement infestée de l'opard. Toujours dans les poétesses lettristes, Maggie Moritz avec un dactylo-poème qui date de 1968.
intitulé Dollar. Une autre œuvre de Maggie Moritz, technique mixte sur papier, qui date de 1967, intitulée Poème lettriste. Déficit immunitaire chronique grave, nécessitant un traitement prolongé d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, chronique active du choc climat de maman post-naissance. Oui, d'un point de vue historique, on peut continuer avec notamment Cosette de Charmois, avec différentes œuvres proposées ici, qui sont à la fois des dessins, des collages, toujours poèmes visuels. Ici, les voyelles de Rimbaud. Ici, mots. Toujours Cosette de Charmois. Un extrait de ses, une œuvre qui a été plusieurs fois réinterprétée sur la Tour Eiffel, où effectivement vous avez différentes interprétations de la Tour Eiffel, et là ce sont un texte directement collé. On pourra en voir plus, je pense, à la galerie Lovenbrück dès la semaine prochaine, début novembre, par une exposition de Frédéric Acquaviva dédiée à Cosette de Charmois. Toujours Cosette de Charmois, une œuvre, un cadeau à Rimbaud. Effectivement, une jambe de Rimbaud qui s'est fait amputer sa jambe droite. Donc là, on est directement en rapport avec le musée qui accueille cette exposition. Encore Cosette de Charmois, notamment une œuvre liée à sa correspondance avec le poète Dadazov Raoul Haussmann. Très très belle sérigraphie de cette œuvre, et qui rend hommage à cette correspondance entre Cosette de Charmois et Raoul Haussmann. Une autre œuvre importante de Cosette de Charmois, qui est une des seules poétesses à publier dans la revue OU, et qui a eu un numéro OU spécial Cosette de Charmois, avec cette œuvre Immaculate Contraception de 1971, témoignant, je dirais, d'une certaine position politique et féministe d'une époque. Toujours un poème visuel de Cosette de Charmois. Notre spécialité, c'est la saucisse, notamment une critique, je dirais encore, de l'Église catholique. Dernière œuvre de Cosette de Charmois, qui m'a expliqué effectivement que s'appelle Champ de bataille, lié à la guerre. Elle était sous les V2, V3, V1, je dirais, de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc un texte effectivement lié à ses souvenirs d'enfance sous les bombardements à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce texte, qui est sérigraphié, a été reproduit ensuite en rouleau que Cosette utilisait. Voilà le rouleau. Un rouleau de lecture performance qu'elle utilisait pendant ses lectures de ce texte, qui est un poémiste. Toujours Cosette de Charmois, cette œuvre collage album photo, héros album, qui date des fin des années 60. Voir effectivement cette technique de collage qu'utilise beaucoup Cosette également. Une liste des poèmes performance, action. Cette exposition, au-delà des poèmes visuels exposé, nous avons décidé également de diffuser à la fois des poèmes sonores plus poèmes action. Donc là, vous avez l'exemple
d'un poème sonore d'Anne-Claire Hello, dénommé Ravagé. 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 Rafistole. Raccourci. Rapièce. Rayé, ravagé. Raccourci, raccorni, raillé, ravagé. Rabignol, ravite, ravageant. Après Cosette de Charmois, on peut parler de notre amie Esther Ferrer qui, dans les années 70, a également créé des dactylopoèmes, poésia très radicaux. Toujours Esther Ferrer, technique mise sur papier, la main de l'artiste. Encore Esther Ferrer avec ses autoportraits, avec une œuvre un peu plus récente, effectivement, qui mentionne bien son rapport au langage. Dernier rêve de Esther Ferrer, ce livre d'artiste, Elle était là, cette œuvre, ce livre d'artiste qui a été publié en 2021, et là nous avons extrait deux pages de ce livre d'artiste publié l'an dernier. Œuvre d'Esther Ferrer, question en français, question à se poser en groupe ou individuellement à intervalles réguliers. Je vais les lire. Préférez-vous que la France soit un hexagone ou un triangle équilatéral? Pourquoi? Préférez-vous être gouverné par une mafia monothéiste, polythéiste ou athée? Pourquoi? Préférez-vous tourner en rond ou en carré? Pourquoi? Préférez-vous mettre en danger votre identité nationale ou votre produit national brut? Pourquoi? Préférez-vous l'eau de Vichy ou le régime de Vichy? Pourquoi? Préférez-vous que la prochaine guerre du Golfe soit retransmise en exclusivité par CNN ou par Arte? Pourquoi? Préférez-vous avoir la puce à l'oreille ou dans le nez? Pourquoi? Êtes-vous sûr que ceux qui viennent manger votre pain mangent seulement votre pain ou le pain et le saucisson? Pourquoi? Préférez-vous avoir un cousin germain ou un oncle américain? Pourquoi? Poème sonore d'Esther Ferrer, Espectaculo, poème sonore à deux voix. Toujours un poème sonore d'Esther Ferrer. Les mots du poème d'Esther Ferrer, poème sonore. Autre œuvre d'Esther Ferrer, ses poèmes de nombre premier. En voici un exemplaire.
poétesse dont on connaît peu de choses, Françoise Méret. On connaît les œuvres, ce livre publié chez l'éditeur anversois Guy Schrannen dans la fin des années 70, en 77, qui s'appelle Substitution, qui est un dactylo-poème. Et une autre œuvre que l'on peut connaître, c'est dans la revue Axe, où elle avait publié également des œuvres, mais ça, c'est la seule œuvre qu'on connaît d'elle en livre, je dirais, chez un éditeur, notamment de poésie expérimentale. Deux autres petits dactylopoèmes de Françoise Méret, qui sont un peu plus récents. Très peu de choses sur cette poétesse. Nous passons ensuite au travail de Michel Métaille, ses planches anatomiques. Poème visuel. Autre poème sonore de Michel Métaille. Des emplacements, la surélévation du niveau, le paysage après Wambwe, de ce qui précédait, intersection avenue de l'Est, rue de la Libération, actionnée par une grue, sur une boule d'acier casse, fracasse, mur des habitations, mouvement lent, puissant. Nous passons ensuite au travail de Liliane Giraudon avec ses poèmes extraits de ses carnets qu'elle crée tous les jours. Toujours Liliane Giraudon. Toujours Liliane Giraudon avec ce grand poème liste sur un rouleau de papier calque. Travail très récent. Trois cardiopoèmes de Chiara Mulas. Quatre poèmes visuels, poèmes même numériques, impression d'Hortense Gautier.
quatre poèmes visuels concrets d'Edith Azan, extrait de « Mon corps est un texte impossible ». Plusieurs poèmes de Marie Bautias qui sont principalement des collages. Marie Bautias, divers collages. Guylaine Monnier, poème numérique, poème en réalité augmentée. Il suffit de télécharger l'application et effectivement ce poème, la roue, je dirais, flotte dans l'air grâce à cette technique de réalité augmentée. Encore Guylaine Monnier, autre poème visuel, poème de nos principaux poètes, que des hommes, que effectivement qui regroupe à la fois photos et collage sur papier calque. Autre œuvre de Guylaine Monnier. Toujours Guylaine Monnier, livre d'artiste, acier trempé. Autre poème de Cécile Richard. Quatre poèmes visuels de Cécile Richard. Deux poèmes dessins de Anne-Claire Hello. Poème partition d'Aziadeh Baudouin-Talek, qui est effectivement une partition d'un poème performance avec effectivement l'utilisation de ce papier qu'elle utilise pour lire dans différentes positions, pour rouler le papier, pour découper ce papier où elle lit ce texte qui est sorti dans la revue Véhicule.
4 poèmes visuels de Natacha Guyer, différentes techniques. Plusieurs poèmes visuels de Natacha Guyer sur des décolor stop, lingettes décolor stop. Alors, œuvre d'Elsa Escafre, 65 pièces en terre gravée à la main, International Clipboard. Œuvre réalisée dans le cadre d'une bourse d'un été au Havre, en résidence à la Cité internationale des arts à Paris. Elsa Escafre, faire ses lignes, mouchoir en tissu brodé, piqué. Camille d'Arc, alphabet cuir, typo poème sur peau. Camille d'Arc, succession prémentale. Camille d'Arc, dactylo poème, espermie, mental acte. Ségolène Thuillard, différents poèmes visuels, Je ne suis pas. Ségolène Thuillard, Néon, CDI. Ségolène Thuillard, casquette poème, broderie sur casquette. Sinon, la grimouille, c'est à tous les copies, ils sont mis que ton pied t'attend. Si jamais j'ai mal voulu, enchanté. Car vous avez faillite en liquidation totale. Votre âge, espérance. Machine.
coquille, qui est comme ça. Et vous êtes sur votre